La presse cybernétique ivoirienne, les blogueurs, du moins pour certains ivoiriens, inondent la blogosphère avec cette soi-disant affaire Seredzi. Les amis, depuis 48 heures, je suis cette actualité. Mais j'essaye de vérifier et prends même les photos renversées pour voir la véracité de ce que certaines personnes disent sur la toile. Rien ne ressort. J'ai donc décidé aujourd'hui, les amis, de parler de mes recherches que j'ai faites. Si quelqu'un a le contraire de ce que je veux dire ici, qu'il vienne publier en commentaire. Seredzi, c'est un Africain, ancien capitaine de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Il a joué partout en Europe, à Stuttgart, en Allemagne. Qu'est-ce que la presse cybernétique dit? Qu'est-ce que certains activistes disent? Qu'est-ce que certaines femmes un mal d'affection disent par rapport à Seredzi aujourd'hui, les amis. Seredzi a refusé de signer les papiers du divorce. Seredzi va perdre tous ses biens. Seredzi ne s'occupe pas bien de ses enfants. Seredzi, les amis. Et je vérifie pour voir si Aline, la concernée, a dit quelque chose. Rien du tout. Je regarde dans les plateformes de José, elle ne parle que de son spectacle du 14 août, de sold out, sold out, sold out, sold out. Je n'ai pas donc regardé la page officielle Facebook de Seredzi. Je constate quoi, les amis? Que la dernière vidéo qu'il publie de ses enfants et Aline y compris, c'est le 2 du mois dernier, donc le 2 juin. Comment quelqu'un qui était avec Aline et les enfants le 2 juin peut être celui-là que la justice suisse est en train de chercher aujourd'hui pour signer les papiers? Ça veut dire quoi? Sa fille aînée et les autres connaissent bien son adresse. Aline connaît bien l'adresse. Ils ont le numéro de Seredzi. Donc ça ne peut pas être un problème jusqu'au point où c'est la justice suisse qui est en train de, qui est à la recherche de Seredzi pour venir signer les papiers. Ça ne fonctionne pas comme ça. D'autres disent même que c'est parce que Seredzi a demandé le divorce à l'amiable, Aline a refusé, qu'il refuse de signer ses papiers parce que s'il divorce aujourd'hui, il raconte des tas de choses. Des tas de choses, des mensonges, les amis. Et Seredzi est calme, José est calme. Il y a une chose que les gens devraient savoir. Les réseaux sociaux ne sont pas des tribunaux. Où les réseaux sociaux ne sont pas les tribunaux. TikTok, YouTube, que dis-je encore, de quoi, Twitter, Instagram, Facebook, ce ne sont pas des tribunaux. Vous pouvez penser que en disant certaines choses, en condamnant des gens, ça va affecter leur vie de tous les jours ou les tribunaux vont prendre ça au sérieux. C'est faux. C'est archi faux. C'est pour cette raison qu'il y a un juriste qui a dit, a raison, que le lexique juridique est différent du lexique littéraire, historique et les autres, les amis. José vit sa vie. Seredzi vit sa vie. Aline vit sa vie. Personne ne sort une interview avec Aline qui a dit ce qu'ils sont en train de dire là. Personne. Et il ne corrobore ça avec rien du tout. Ici quoi? Le journal Allemagne Bild. Les amis, j'ai passé des heures et des heures pour regarder en ligne d'abord Bild et regarder sur Facebook parce que Bild est présent sur Facebook. C'est un journal célèbre allemand, BILD, Bild. Rien ne ressort. Il parle de euro, 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 euro. Schumacher, Michael Schumacher, son petit frère, les autres, mais je ne veux pas entrer là-dedans. Donc, d'autres informations sans toutefois évoquer Seredzi. Donc, d'où vient cette information concoctée par certaines personnes pour essayer de déstabiliser Seredzi et José, Aline certainement, et les enfants. Les amis, pour vous montrer, parce que vous savez ici, je dis généralement que je suis monsieur preuve. Je vous propose donc cette petite vidéo de les enfants de Seredzi qui disent ils ont un meilleur papa au monde. C'est cette année, c'est le mois dernier, que les enfants, avec Aline, elle était présente. Les enfants ont dit, on a le meilleur papa au monde. Suivez ceci, les amis.
vais voir tes poussées. Écoutez bien. Si, princesse, je vais voir tes poussées. Tu les as déjà vues plusieurs fois. Je veux les voir encore. C'est Ezo. Oui. Dis-lui de monter. Ah là, la plus vieille qu'elle. Voilà. Oh maman. Sa glace. Oui. Ah, coucou. Le meilleur papa du monde. Donc, ils sont là, ils racontent des choses. Pendant qu'il y a de cela quelques jours seulement, Serre était avec ses enfants, ses garçons, son garçon, ses filles. Ils ont joué ensemble, les amis. Et les enfants étaient très fiers de leur papa. Aline, si elle avait ces papiers-là, elle devrait donner à Serre qui était avec elle, à la maison ensemble. Pourquoi est-ce que Aline n'a pas donné les papiers? Elle attend que Sédi rentre en Côte d'Ivoire pour ses affaires, pour venir dire que non. Aline n'a jamais rien dit, les amis. Elle n'a jamais posté sur X, ancien Twitter, sur Instagram, sur Facebook, quoi que ce soit. Et regardez bien. Une information qui est aussi importante avec un joueur, oui, c'est, il a joué en allemand, Bild parle. Mais la presse cybernétique Helvétique, dont Suisse ne parle pas de cette information. Regardez sur les réseaux sociaux en Suisse, les amis, il n'y a pas cette information. Il n'y a pas cette information. Oui, ils peuvent divorcer, ce n'est pas un problème. Ils peuvent avoir des problèmes. Peut-être qu'Aline s'accommode du fait qu'il y a José aujourd'hui. Et José aussi a compris. C'est vrai aussi qu'en Côte d'Ivoire, il y a une loi pour la monogamie. Je crois qu'il faut abroger cette loi-là. Nous sommes en Afrique, il ne faut pas encourager les situations homme-homme, femme-femme et venir nous parler de la monogamie. C'est l'hypocrisie. Donc, Serédier vit sa vie normalement, il continue son chemin et il est en train de faire ces choses pendant ce temps. Quelques groupes de personnes et certaines femmes en manque d'amour font le tour des réseaux sociaux avec le nom de Serédier, avec José, avec Aline. Ils n'ont pas de preuves. J'ai dit, ils n'ont pas de preuves. Bild n'a pas parlé de ça. Ali n'a rien posté. Donc, les tribunaux en Suisse se sont dit que, OK, comme nous avons la difficulté de mettre la main sur Serédier, on ne connaît pas son adresse, on va appeler les blogueurs ivoiriens, on va appeler certains blogueurs pour pouvoir nous donner ces informations-là. Votre manipulation-là, les amis, ça ne passera plus. C'est vrai que nous sommes là pour parler de l'Afrique et tout, mais à un moment donné, quand vous regardez les informations, vous vous rendez compte qu'on est en train de détourner l'attention des gens et qu'ils procèdent de la même façon, parler de CRD, certainement de Samuel et Tophis, après ils vont engager d'autres choses et tout, et c'est comme ça, ça continue comme ça. Je vous suggère donc de regarder cette autre image de CRD avec ses enfants. Ah. Oh. C'est bon, vous êtes contente? Non, Ali a du maquillage. Oh non, non. S'il te plaît, maman, pas ça. Viens, s'il te plaît. S'il te plaît. Ali, non. Tu est fini d'attacher mes cheveux bizarrement et elle veut me gagner. On va voir ce qui est le plus fort. Il y en a beaucoup, mais on va voir. Et puis, elle, regarde, Ali, elle voulait placer elle-même, comme ça, elle va ça. Toi, tu m'as pris pour qui? Je suis ton papa, donc je suis né avant toi. Ah. T'as vu les cheveux blancs qu'il a dans sa barbe? Ça, oui, on a... Arrête, mon cœur. Ben, ça va bien. Être vieux comme toi. Tu veux être vieux comme moi? Bah oui. C'est ça, mon cerezo. Fais attention au mal de... C'est ça, mon cerezo. Au mal de quoi? Mal de dos. Moi qui commence. Tu lui as déjà. Instant McDo avec mes bébés. Pendant qu'il était en train de jouer avec ses enfants-là, les amis... Aline pouvait appeler son avocat pour dire que mon ex-mari est là ou le père de mes enfants est là. Il est là. D'abord, je vous ai montré cette vidéo avec Aline et les enfants en train de dire « Nous avons le meilleur papa au monde. » Maintenant, l'autre vidéo, à la maison, en train de jouer avec tous les enfants. Donc, il vient jouer avec les enfants, il sort avec les enfants, il s'entraîne avec son fils. Il montre, oui, c'est un footballeur, comment son fils doit faire pour jouer et autres. Touche le ballon, pousse le ballon avant de tirer. C'est de ça qu'il est question, les amis. La suite. Trop bon. Tu me fais ça tout le temps. Viens, tu commences loin ici. Bien joué, mais tu commences loin. Viens. Laisse-moi te donner le ballon. Va devant là-bas. Tu fais ça plusieurs fois, ok? La même chose. Hein. Tu fais ce que tu as fait là, la même chose. Je te donne, tu contrôles, tu pousses, tu frappes. Allez, contrôle. Pousse, frappe.
C'est ça, papa. Hé, Amia, Amia, quand c'est ça, tu dis pas que c'est ça. Tu vas pas gagner. Oui. Vous savez, il est un gros tricheur. Mais non, je fais quoi? Amia, le... Donc vous avez quelqu'un comme ça, il joue avec ses enfants, il est avec ses enfants, il est avec sa femme, ex-femme, ou avec ils ont des problèmes, tranquille, et les gens pondent des histoires. Build a dit ceci, d'abord, c'est un mensonge, je vous ai dit, éprouvé, allez vérifier comme moi, vous allez voir. Allez regarder les différentes plateformes de CRD. C'est lui-même qui a publié la vidéo que je vous ai proposée là, le 2 juin, dont il était avec Aline. Et les tribunaux sont en train de le chercher avec le papier des divorces. Ça ne se passe pas comme ça. Les gens qui ne savent pas de quoi il est question se mettent à parler. D'autres femmes, certainement, qui ont des problèmes avec leur mari, leur ex, se mettent à parler. Non, quand on vous dit quelque chose comme ça, prenez votre temps de vérifier certaines informations. C'est vrai que sous les RS, c'est un foutu, les RS, c'est un foutu, mais il y a des gens aussi intelligents, sensés, qui peuvent faire ce travail. Prenez votre mal en patience. C'est-à-dire que l'exclusivité pour l'exclusivité, le buzz, tout de suite, c'est mieux. Je suis le premier à publier. Vous êtes généralement les premiers à publier les bêtises. Thank you, friends. Thank you again. And bye-bye for now.